Norton dans son livre « Un sceau et son argent ne restent jamais bien longtemps ensemble ». Savez-vous que dans les pays développés, plus de 55% de la population a une éducation financière et est donc financièrement illettrée? Parlons des pays africains. Le seul pays africain noir développé, l'Afrique du Sud, comptait, en 2016, plus de 4660 planificateurs financiers personnels. Qu'est-ce que dans la planification financière personnelle? S'évaluer, mettre un plan sur place, atteindre ses objectifs financiers. Pour moi, c'est ça la planification financière personnelle. Est-ce à dire que la planification financière personnelle est une clé qui peut permettre le développement de nos pays? Alors, chers amis, je tiens aussi à partager ce thème-là avec vous sur ma chaîne parce que je pense que c'est un thème tellement pertinent parce qu'on nous apprend plein de choses à l'école, mais on ne nous apprend pas comment gérer son argent. Comment est-ce que nous devons bien gérer notre argent? Nous n'avons pas cette culture. Et en plus, pour les femmes africaines, le sujet de l'argent est assez tabou et je ne sais pourquoi. Donc, du coup, je me suis lancée dans cette aventure-là de pouvoir discuter avec des collègues, discuter avec des amis sur comment ils gèrent leur argent, quels sont les petits secrets qu'ils utilisent pour pouvoir garder leur argent, multiplier leur argent et investir. Et je pense que ça sera vraiment un show très intéressant, ça sera fun, ça sera dynamique, ça sera jeune parce que c'est vraiment un show destiné aux jeunes. Ici, on veut parler entre nous, entre jeunes, de manière relaxe. On veut parler d'argent. On veut parler de comment se construire, comment commencer à construire notre futur, comment commencer à construire notre avenir. Et vraiment, c'est ce que je veux partager avec vous sur cette chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle rubrique-là dans la barre de commentaires. J'attends ça avec impatience. Je pense qu'on va vraiment s'amuser en parlant de finances personnelles. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous parler de calculs chinois. On va pas parler de, je sais pas, de trucs très compliqués. Ce sera vraiment des sujets très simples. Tout le monde pourra partager son expérience. Vraiment, j'attends que la barre de commentaires puisse choper pour qu'on puisse vraiment discuter à cœur ouvert, partager les petites astuces et j'attends votre retour avec impatience. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de me lâcher un huge thumbs up, c'est-à-dire de liker la vidéo, de la partager. Et aussi, pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je compte sur vous. C'est un petit bouton rouge juste en bas là. Cliquez dessus. Ça ne va pas vous enlever quelque chose. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et sur ce, j'aimerais vous souhaiter une excellente journée. Take care. Bye bye.